Bonjour. Hello. Permettez-moi, on va commencer dans cinq petites minutes. Je vais commencer par vous transmettre quelques consignes en cas d'urgence. Alors, en cas d'urgence, on vous invite à identifier les sorties de secours. Il y en a deux. Une juste ici à gauche, vous la voyez là-bas. Il y en a une autre aussi. Si on sort de l'auditorium, il y aura également une affiche pour vous indiquer une autre porte, une sortie de secours. Merci. Alors, en cas d'isolement ou un lockdown, un représentant du Collège Boréal va s'occuper de fermer les lumières et de verrouiller les portes. On va vous demander de demeurer silencieux, rester calme également jusqu'à avis contraire si jamais ça devait se produire. Notez également que les salles de toilettes se trouvent dans le hall d'entrée, juste à gauche en sortant de la salle. Hello, English-speaking friends. Please note that there are two emergency doors. The first one is right here on my left in the back of the room. There's also a second one if you leave the auditorium, it will be there. In the event of a lockdown, know that a Collège Boréal official or employee will close the doors and lock them and turn off the lights. If this was to happen, please remain silent and calm until further notice. Washrooms, they are located to the left of the reception area as well. Quelques consignes de bienveillance maintenant. Si vous devez sortir durant la cérémonie, prière de le faire discrètement. If you do need to leave during the ceremony, please do so discreetly. Une photographe officielle va prendre des photos tout au long de la cérémonie. Les photos seront disponibles aux diplômés et à leur famille dans les prochains jours à partir du site Internet. On vous demande donc de respecter l'espace de travail de la photographe pour qu'elle puisse évidemment prendre de belles photos, donc ne pas bloquer son accès aux étudiants et étudiantes, s'il vous plaît. An official photographer will be taking pictures throughout the ceremony. These pictures will be available to you and of course the graduates in the next couple of days. Please let her do her job by not blocking any access to the graduates so that pictures are nice. La cérémonie sera diffusée sur nos réseaux sociaux, YouTube et Facebook, dans les prochaines semaines. Vous pourrez donc revoir, autant que vous le souhaitez, cette cérémonie ou encore partager le lien avec votre famille et vos amis. This ceremony will be broadcast live on our, not live, in a couple of days, on our YouTube and Facebook pages. You can watch it again, of course, and share the link to your friends and family. En terminant, on vous demande de bien vouloir éteindre vos appareils électroniques, vos téléphones. Please turn off all electronic devices, so phones off, please. Merci. Mesdames et messieurs, je vous souhaite la bienvenue à cette 27e cérémonie de remise des diplômes du Collège Boréal. Je m'appelle Martine Laberge et je suis gestionnaire des communications et des relations médias au Collège Boréal. C'est moi qui ai le plaisir de vous accompagner aujourd'hui et d'être maître de cérémonie. D'abord, le Collège Boréal respecte et tient à reconnaître et à honorer l'histoire des Premières Nations, des Métis et des Inuits sur l'ensemble des territoires partagés en Ontario, entre autres, je pense au Mississauga of New Credit, ici dans la grande région torontoise, qui était ici bien, bien des lunes avant nous. Au nom du Collège, je tiens à remercier les communautés autochtones de leur grande collaboration et de leur contribution à notre richesse patrimoniale. Alors, on commence. Veuillez, s'il vous plaît, vous lever pour l'arrivée du cortège. Please stand up.
Mesdames et messieurs, je vous invite à demeurer debout pour l'interprétation de l'hymne national par Kayla Fournier et Anna Marion, deux anciennes étudiantes du Collège Boréal. Maintenant, vous asseoir. You may sit. Mesdames et messieurs, permettez-moi d'abord de vous présenter les dignitaires présents pour cette cérémonie. Je vous invite à réserver vos applaudissements pour la fin des présentations, s'il vous plaît. Tout d'abord, le président du Collège Boréal, M. Daniel Giroux. Le membre du conseil d'administration du Collège Boréal, M. Bouloulou Kabata-Kaka. Merci. Dana Cacerabo, également membre du conseil d'administration du Collège Boréal. Merci. Désolée pour ça. À la vice-présidence à l'enseignement, Mme Lynn Michaud. À la vice-présidence du Centre Sud-Ouest, Mme Lise Bélan. Le directeur du Collège Boréal à Toronto, M. Gilles Marchildon. Et au poste de registraire, Mme Paulette Bonin. Ils sont également présents aujourd'hui au poste de gestionnaire programme postsecondaire, Mme Diana Kumbaro. À la direction des programmes et services en immigration, M. Baptiste Alain Bourcadès. Au poste de gestionnaire Boréal en ligne, Mme Amélie Ouellet. Et finalement, à la direction du Bureau de développement et de la Fondation, Mme Nancy Raymond. On reconnaît également certains membres de la communauté qui sont ici aujourd'hui. La chargée de projet de valorisation partenariat, commandite et relations communautaires avec le groupe Média TFO, Mme Loana Tomasso. Alors, mesdames et messieurs, saluons peut-être nos invités de marque. Maintenant, je vous prie d'accueillir chaleureusement le président du Collège Boréal, M. Daniel Giroux, the president of Collège Boréal, M. Daniel Giroux. Membres du conseil d'administration du Collège Boréal, distingués invités, collègues et amis, mesdames et messieurs, chères finissantes, ça peut dire finissantes, mais chères finissantes, bonjour, welcome, bonjour, l'énergie, et voilà. Depuis plus de 2 ans, nos vies ont été bouleversées par la pandémie mondiale de COVID-19. Vous avez fait preuve d'une grande résilience en vous adaptant au confinement et aux consignes sanitaires et de sécurité en évolution quasi constante. Cette résilience vous servira sur le marché du travail et fera en sorte que le souvenir de votre diplomation restera toujours avec vous. Vous faites partie de l'histoire.
Vous avez travaillé fort pour vous rendre à ce grand jour. Vous avez bien raison d'être fiers. Vos parents, amis, ont aussi raison d'être fiers. Sachez que toute l'équipe du Collège Boréal est très heureuse de voir un autre groupe extraordinaire de diplômés bien outillés pour le marché du travail. Nous voici ensemble, prêts à célébrer tout le travail que vous avez accompli pour vous retrouver ici, aujourd'hui, afin de recevoir votre diplôme. Ce faisant, vous joignez un club select qui compte plus de 21 344 diplômés depuis 1995 et plus de 700 diplômés cette année. Ici, au campus de Toronto, nous avons 153 diplômés cette année. Chers finissants, chères finissantes, vous êtes sur le point de recevoir votre diplôme du Collège Boréal, un collège francophone qui se démarque année après année. Nous sommes au premier rang au taux de satisfaction des diplômés, au premier rang pour le taux de satisfaction des employeurs et son taux d'obtention de diplômes, et ceci parmi les 24 collèges en Ontario. For those who are not aware, all 24 public colleges, every single year, we receive a report card, just like our students. And that report card measures five key elements. The first thing it measures, student satisfaction. Are the students satisfied with the quality of the program and the quality of the college? The second thing it measures, what we call graduate satisfaction. So it's an independent firm who does it for all 24 colleges. That independent firm calls the graduates. Are you satisfied with the quality of your program? Did they prepare you for your job, for your employment? The third key element, employer satisfaction. So that same firm calls the employers. They ask them, are you satisfied with your hiree, the person you just hired? Were they well prepared? Did the college prepare them for that job? The fourth is what we call graduation rate. Once a student starts a program, do they finish the program? And the fifth indicator is what we call employability. Do they find employment after they graduate? The 24 colleges have been receiving this report card for 22 years. It's on our website, all the results. It's on the Ministry of Colleges and Universities website. 22 years, Collège Boréal has had the best report card 19 out of 22 times. Bravo. Voir nos finissants devenir des diplômés, wow, c'est exceptionnel. Vous êtes notre raison d'être. Ça me fait chaud au cœur, année après année, de voir autant de potentiel, de fierté et d'espoir pour l'avenir de notre pays. Au nom de toute l'équipe du Collège Boréal, je vous remercie de nous avoir fait confiance et d'avoir choisi notre collège pour faire vos études. Vous avez suivi votre formation auprès de professeurs hautement qualifiés et d'un personnel engagé dans votre réussite. Je les remercie donc chaleureusement en votre nom. Si nous sommes le meilleur collège en Ontario, c'est grâce à leur travail et surtout à leur engagement envers votre succès. Après plus de 25 ans de carrière au collège, j'ai appris quelques leçons de vie. En voici quelques-unes. Le seul endroit où le succès précède le travail est dans le dictionnaire. Il n'y a qu'une façon d'échouer, c'est d'abandonner avant d'avoir réussi. La plus grande erreur que vous pouvez faire dans la vie, c'est d'avoir peur de faire des erreurs. Et la définition d'une équipe, et vous allez voir, vous allez faire partie d'une équipe. Quand les choses vont bien, c'est facile. Tout le monde sourit, tout le monde s'aime. Quand il y a des défis, quand les choses ne vont pas bien, c'est là qu'on voit la vraie définition d'une équipe. Résilience, l'innovation, le respect, l'inclusion, la passion de vouloir continuer à travailler ensemble et de réussir. Ça, c'est la vraie définition. Votre nouveau diplôme est un passeport précieux pour entamer votre carrière professionnelle. Nous espérons vous voir, chère finissante, revenir au collège pour faire partie de l'Association des anciens et des anciennes.
de prendre un autre cours pour du perfectionnement professionnel, ou même un jour de venir au collège choisir un autre programme. Vous êtes membre à vie de la grande famille du Collège Boréal. Alors, soyez fiers de vos racines, de votre diversité, de votre collège, fiers de vos accomplissements et fiers de qui vous êtes. Encore une fois, toutes mes félicitations et tous mes vœux de succès dans vos projets à venir. Merci. Thank you. Merci pour ces conseils précieux, M. le Président. Maintenant, je vous prie d'accueillir chaleureusement la vice-présidente de l'enseignement du Collège Boréal, Mme Lynn Michaud, the Vice President Academic du Collège Boréal. Mme Lynn Michaud. Merci, Martine. Monsieur le Président du Collège Boréal, membre du Conseil d'administration, chers collègues, mesdames et messieurs, chères finissantes, bon après-midi, bonjour. Alors, cet après-midi, c'est un moment rempli d'émotions, car c'est un moment qu'on va célébrer la fin de vos études au Collège Boréal. Nous avons eu le privilège de vous accompagner pendant votre séjour. Nous avons partagé vos joies et vos peines. Nous avons été témoins de votre courage et de votre détermination. Vous avez appris à vous connaître, vous avez appris à surmonter les difficultés que vous avez pu rencontrer pendant vos études. Le Collège Boréal a été témoin de votre évolution. Mais disons-nous les vraies choses cet après-midi. Personne n'aurait pu prédire la situation dans laquelle notre monde se trouve aujourd'hui. Ce n'est pas facile et ce n'est toujours pas facile. La pandémie bouleverse la planète depuis plus de 2 ans. Dès le début de la crise, nous avons choisi un mode hybride pour la livraison des programmes et des services au Collège Boréal. Ceci a demandé un travail extrêmement exigeant de la part du personnel scolaire, le personnel administratif et le personnel de soutien. En tant que petit collège, nous avons fait de notre mieux pour vous offrir des cours et des laboratoires sur nos campus tout en respectant les règles sanitaires. Les professeurs et les membres du personnel ont fait preuve d'un remarquable esprit d'innovation pour continuer à vous offrir un enseignement de qualité. Nous sommes très reconnaissants qu'ils ont continué à accomplir leur travail dans ces conditions exceptionnelles. J'applaudis le dévouement de tout le personnel du Collège Boréal. Je leur offre mes plus sincères remerciements pour tout ce qu'ils ont réalisé pour appuyer les étudiants et les étudiantes. Tout au long de cette crise mondiale, votre réussite étudiante et votre bien-être ont guidé nos décisions et nos actions. Vous avez fait preuve d'une capacité incroyable d'adaptation. Avec toutes les contraintes de la distanciation physique, ce fut un travail colossal. Un gros merci pour votre patience pendant ces temps difficiles et surtout, merci mesdames pour votre indulgence. Vous avez fait preuve de persévérance, de courage et de beaucoup de volonté. Et cet après-midi, vos efforts sont récompensés. Cet après-midi, mesdames, nous célébrons le leadership au féminin. Que le meilleur reste toujours à venir. Merci d'avoir choisi le Collège Boréal. Je vous souhaite d'être ambitieuse et d'aller au bout de vos rêves. Toutes mes félicitations, mes meilleurs vœux de succès. Bonne célébration. Bonne fin d'après-midi. Merci, Mme Michaud. Maintenant, accueillons chaleureusement aussi le directeur du campus de Toronto, que vous connaissez bien, M. Gilles Marchildon. Merci Martine et Monsieur le Président du Conseil d'administration du Collège, bien dis-je, et chers membres du Conseil d'administration, Mesdames les vice-présidentes, chères finissantes et chers finissants, puis distingués invités de la communauté et amis et famille de nos diplômés. L'équipe entière de votre campus de Toronto se joint à moi pour vous féliciter en ce moment solennel lors duquel nous sommes particulièrement fiers de vous.
Nous sommes fiers de vos résultats et de votre réussite collégiale, bien sûr, mais nous sommes surtout fiers de votre cheminement personnel au cours des années passées au Collège Boréal. Nous tenons à souligner votre grande résilience face aux circonstances covidiennes, appelons ça de même, qui se sont imposées au cours des deux dernières années. Bravo pour avoir surmonté ces défis. Vous avez sans doute découvert en vous des capacités d'adaptation que vous ne connaissiez pas. Et ça, je suis convaincu, c'est quelque chose qui va vous servir pendant la vie. Nous aussi, on a tâché de s'adapter et de rendre l'expérience boréale à Toronto encore plus agréable et bénéfique. Nous avons maintenant au campus plus d'équipements de fine pointe en santé, dans le domaine de la santé et de l'informatique, entre autres. Plus de stations d'ordinateurs, plus d'isoloirs d'études, une nouvelle salle de bien-être pour appuyer la bonne santé mentale, des chaises et des tables plus flexibles qui permettent différentes dispositions et qui favorisent la collaboration, et ainsi que de belles plantes tropicales dans le salon du lac que vous allez pouvoir apprécier pleinement après la cérémonie. Grâce à plus d'une dizaine de nouvelles ententes de collaboration avec des partenaires communautaires et des employeurs, il existe maintenant plus d'occasions que jamais pour des stages et des expériences communautaires. Cela vous offre la possibilité de montrer ce dont vous êtes capable alors que vous appliquez vos connaissances théoriques dans le monde du travail. Et la communauté continue de nous appuyer au fait de vous appuyer. Encore cette année, nous avons recueilli un montant record de dons pour nous permettre d'offrir un nombre encore plus élevé de bourses aux finissantes et aux finissants. Quelle fierté de pouvoir vous offrir cet appui financier pour vous lancer dans votre parcours. De la même façon que nous sommes fiers de notre contribution à la communauté du Grand Toronto, soyez fiers de votre réussite et soyez fiers de votre collège dont l'excellence académique est reconnue à travers la province. J'aimerais conclure en soulignant le travail remarquable de notre équipe ici à Toronto, que je remercie chaleureusement. Ils sont plus d'une cinquantaine de personnes qui œuvrent à temps plein à divers niveaux, avec une autre trentaine de professeurs à temps partiel. Toutefois, je tiens particulièrement à remercier quelques personnes dont les noms vous seront familiers. Diana Cumbaro, la gestionnaire des programmes postsecondaires, son bras droit, l'agente Mary Jane Venpin, l'agente à l'aide financière, Angéline Tanon, le technologue à l'appui à l'apprentissage, Pierre-Marie Nkunchu, ainsi que le préposé, Thomas Banjikila Bakajika, Mimosa Tulina, la conseillère, et Tiorna Philippe Diarasubo, avec qui vous avez pu développer une vie collégiale ici. Je tiens également à remercier notre président et le conseil d'administration de leur appui, ainsi que la vice-présidente du Centre Sud-Ouest. J'aimerais offrir, en conclusion finale, tous mes vœux de réussite à celles et à celui qui intégreront prochainement le marché du travail. Merci d'avoir choisi le Collège Boréal et de nous avoir fait confiance. Sachez que vous serez toujours chez vous, ici au campus, et même lorsqu'on va déménager l'été prochain, au quartier de la Distérie, qui est pas loin d'ici. Je vous invite à venir nous visiter sans faute. Encore une fois, merci, félicitations à chacune et à chacun. Merci beaucoup, M. Jules Marchilton. J'invite maintenant Mme Nancy Raymond, directrice du Bureau de développement et de la Fondation, à procéder à la remise des bourses. Merci beaucoup, Martine. Bonjour, chers finissants maintenant et chères finissantes, M. le Président, membre du Conseil d'administration, Mesdames les vice-présidentes, Monsieur le directeur, collègues, amis, parents, c'est un plaisir pour moi d'être ici en cette belle après-midi et de célébrer votre succès
surtout en personne, pour la première fois. On est vraiment très heureux et heureuse d'être ici avec vous. Depuis ces deux années, la Fondation fut à l'écoute. C'est avec fierté que nous avons remis plus de 1065 bourses l'année dernière pour un total de 860 000 $. Cette année, nous avons été en mesure d'appuyer encore plus d'étudiantes et étudiants à terminer leur programme en remettant au-delà de 1500 bourses pour un total qui a dépassé 1,3 million de $. Aujourd'hui, nous célébrons bien sûr votre succès, mais nous célébrons et tenons à remercier également nos partenaires, les associations qui donnent généreusement. C'est grâce à vous que nous avons plusieurs réalisations remarquables à notre actif. Merci de vos contributions, chacun à votre façon, mais dans un seul but, qui est toujours envers le succès de nos étudiantes et étudiants, et finissants et finissantes ici aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons la chance de reconnaître les contributions et le succès d'une étudiante exceptionnelle. La bourse d'excellence Denis Hubert du Trisac, d'une valeur de 2000 $, est décernée à une étudiante ou un étudiant qui termine ses études au Collège Boréal, qui est soit de première génération ou de descendance métisse ou autochtone. Notre récipiendaire aura fait preuve d'un excellent rendement scolaire. J'aimerais inviter M. Daniel Giroux, président du Collège Boréal, à remettre cette bourse d'excellence Denis Hubert du Trisac, ancien président du Collège Boréal, d'une valeur de 2000 $ à notre lauréate, Cécile Matchum, en éducation en service. Vraiment, toutes mes félicitations. Bravo encore une fois. Merci beaucoup, M. le Président. Maintenant, nous allons poursuivre avec des bourses communautaires. J'aimerais inviter Mme Dada Gassirabo, membre du conseil d'administration, ainsi que directrice générale du Centre Oasis, Centre des femmes, à remettre trois bourses, mais nous ferons l'appel une lauréate à la fois. Donc, notre première lauréate, Chris Love Blanc, éducation en service à l'enfance. Excellent. Notre prochaine lauréate, Carolina Lopez, en éducation en service à l'enfance. Bravo, toutes mes félicitations. Et maintenant, Adjo Rosalie Nyamke, épouse Kaku. Bravo, toutes mes félicitations. Merci beaucoup, Mme Gassirabo. J'invite maintenant Mme Lise Bellan, vice-présidente au Centre Sud-Ouest, à remettre deux bourses Alpha Toronto d'une valeur de 500 $ chacune. Nous ferons l'appel une à la fois à nouveau. Notre première lauréate, Jeannette Mensah Turkson, en éducation à service à l'enfance. Notre prochaine lauréate, Cécile Matchum. Bravo. Toutes mes félicitations. J'aimerais inviter maintenant M. Gilles Marchildon, directeur au campus de Toronto, à remettre une bourse d'une valeur de 250 à notre lauréate Chérie Keren en éducation en service à l'enfance. Bravo. Toutes mes félicitations. Merci beaucoup, M. Marchildon.
J'invite maintenant M. Ali Liénaud à remettre la bourse qui porte son nom d'une valeur de 250 $ à Marie-Christelle Atsen. Bravo, vraiment, toutes mes félicitations. Donc, chères finissantes, chers finissants, je vous souhaite une excellente fin de cérémonie. Merci beaucoup. Merci, Mme Nancy Raymond, qui a un très beau rôle, en fait, à chaque cérémonie comme ça. Elle fait beaucoup d'heureuses et d'heureux. Mme Paulette Bonin, maintenant la registraire du Collège Boréal, viendra prononcer les mots de circonstance. Merci, Martine. Monsieur le Président, chers membres du Conseil d'administration, chers collègues, chères finissantes et finissants, à titre de registraire du Collège Boréal, je déclare que les étudiantes et les étudiants admissibles recevront leur certificat ou leur diplôme conformément aux directives exécutoires du ministère des Collèges et Universités. Avant de procéder officiellement à la remise des diplômes, je voudrais vous apporter les précisions suivantes. Les étudiants et étudiantes se voient accorder une reconnaissance dès lors qu'ils ont complété ou obtenu leur diplôme ou certificat post-diplôme après avoir suivi avec succès un nombre minimal de cours au Collège Boréal. Les diplômés qui ont une moyenne de 80 à 89 % dans leur programme d'études se voit décerner la mention « diplômé avec distinction ». Les diplômés ayant obtenu une moyenne de 90 % ou plus se voient accorder la mention « diplômé avec grande distinction ». De plus, afin de souligner le rendement exceptionnel au cours de leurs études, les étudiants et étudiantes ayant maintenu une moyenne pondérée cumulative de 4,0 sont admis symboliquement au cercle du laurier d'or. À présent, j'ai le très grand plaisir de déclarer cette cérémonie de remise de diplôme officiellement ouverte. Au nom de toute l'équipe, félicitations et bon succès. Merci, Madame Bonin. J'invite maintenant Madame Diana Kumbaro, qui est responsable des programmations postsecondaires ici à Toronto, à venir par l'appel des finissantes et des finissants. Quelle fierté, quel plaisir de célébrer avec vous aujourd'hui. C'est un véritable honneur plaisir pour moi de présenter les diplômés de Toronto. Voici quelques indications sur la façon de procéder. Chères finissantes, chers finissants, lorsqu'on vous nommera, nous vous invitons à suivre les consignes des membres du personnel. Pour ceux et celles qui portent un masque, vous êtes bienvenus de l'enlever au moment de monter sur scène. Au lieu de serrer la main, nous vous invitons de donner un petit coup de coude en reconnaissance de votre accomplissement. Chers invités, nous remettons les diplômes ou les certificats dans l'ordre dans lequel ils figurent au livret. Prière de prendre des photos et de retourner à vos sièges par la suite. Merci. Éducation en service à l'enfance, Rahma Saïd Ali. Félicitations. Programme éducation, service à l'enfance, avec distinction, Raïssa Kiseleidi Bekima. Bravo. Encore le programme d'éducation service à l'enfance avec distinction Chris Love Blanc. Bravo!
programme éducation service à l'enfance avec grande distinction Delphine Florence Bokawe. Bravo! Programme éducation service à l'enfance Zoraida Patricia Costano Ortiz. Bravo, félicitations. Encore le programme éducation service à l'enfance avec distinction Chloé Ceccarelli. Programme éducation service à l'enfance Kenza Chakiri. Bravo. Programme éducation service à l'enfance avec distinction Karen Chéri. Bravo. Programme éducation service à l'enfance avec grande distinction Marie-Christelle Hatzen. Bravo. Programme éducation service à l'enfance avec distinction Salamata Haruna Diallo. Programme éducation service à l'enfance Aissata Diop. Bravo, félicitations. Programme éducation service à l'enfance Vanessa Garcia. Encore programme éducation service à l'enfance Vanessa Gibbs Dalezet. Programme éducation service à l'enfance Bernadette Gugima Gudumbuga. Félicitations. Programme éducation service à l'enfance Aïcha Hassan. Bravo. Encore programme éducation service à l'enfance Noéline Casa Zuma. Bravo, félicitations. Éducation en service à l'enfance Ruth Kiala. Bravo, Ruth. Programme éducation en service à l'enfance Christelle Anzoupat Kindeki. Bravo, Christelle. Programme éducation service à l'enfance diplômée avec distinction Carolina Lopez Sampaio. Programme éducation service à l'enfance diplômée avec distinction Paola Ostrin Magnen Defo. Bravo. Programme éducation service à l'enfance diplômée avec distinction Cécile Machum. Programme éducation service à l'enfance Rose Mbambi Umba. Oh.
programme éducation service à l'enfance, diplômée avec distinction Adjo Rosalie Niemkiewicz. Ciao ciao. Programme éducation en service à l'enfance, Renata Nicolae. Encore programme éducation en service à l'enfance, Jemima Gamba Yachu. Bravo. Programme éducation, service à l'enfance, Marie-Jean Ngandeji Kentekshi. Bravo. Programme éducation en service à l'enfance, Maggie Kabongon Seya. Bravo. Programme éducation servie à l'enfance, Assere Léa Oyoa. Félicitations, bravo. Programme éducation en service à l'enfance, Demiret Flor Tonla Samo. Bravo. Éducation en service à l'enfance, diplômée avec distinction, Janet Mensa Turkson. Bravo! Bravo! Programme éducation, service à l'enfance, Inès Zidani. Bravo! Programme technique d'éducation spécialisée, gradué avec distinction Yepte Dutua. Bravo, félicitations. Programme technique d'éducation spécialisée, gradué avec distinction Raïssa Audrey Happy Chouadji. Programme soutien technique en informatique, Brian Vanpin. Félicitations. Programme soutien technique en informatique, Rasoul Ba. Bravo. On attend pour quelques instants que tous les diplômés prennent leur place. Maintenant que vous êtes officiellement diplômés, nous vous invitons à porter votre mortier, chapeau, et s'il vous plaît, mettez votre chapeau. Et à transférer le gland de votre mortier de votre côté gauche
vers votre côté droit. Ensemble, applaudissons chaleureusement tous nos diplômés. Bravo, bravo, félicitations. Merci, Madame Diana Kumbaro. Merci beaucoup. J'inviterai maintenant la porte-parole de la cohorte d'aujourd'hui, de 14h, Madame Marie-Christelle Attin, à venir vous adresser la parole. Distingués invités, membres du conseil d'administration, monsieur le président du Collège Boréal, monsieur, madame les vice-présidents, monsieur le directeur, très chères finissantes et finissants, parents et amis, c'est un véritable honneur pour moi de prendre la parole au nom des diplômés de mon groupe. Nous rêvons de ce jour depuis longtemps. Et nous voici enfin, notre précieux diplôme en main. Fiers de nos accomplissements. Bravo. Encore bravo à tous et à toutes. Nous savons que nous sommes prêts et prêtes pour intégrer le monde professionnel avec succès. Ce diplôme revêt une grande signification pour nous toutes et tous. L'accomplissement d'un travail acharné. La reconnaissance qu'aujourd'hui, nous devenons de véritables professionnels dans notre domaine, mais aussi la fin, hélas, d'une belle aventure au Collège Boréal. Mais ce diplôme symbolise aussi et surtout le début d'une nouvelle étape dans notre vie. Qu'il s'agisse d'entrer sur le marché du travail, de poursuivre à l'université ou d'entamer une année de spécialisation au collège. Ce précieux diplôme nous donne la confiance et la légitimité pour affronter les nouveaux défis qui nous attendent. Recevoir ce diplôme est aussi une grande responsabilité. La responsabilité d'être à la hauteur de ce qu'il représente. Le prestige du Collège Boréal et l'éthique de notre corps de métier. C'est à nous maintenant d'agir en tant que leader dans notre communauté, de promouvoir notre profession, et surtout, de continuer à apprendre et à nous épanouir. Ce diplôme me fait penser à une parcelle de terre prête à accueillir la semence, à être entretenue, à être enrichie, afin de produire de magnifiques fleurs et fruits qui offriront du bonheur et du plaisir au monde entier. La semence représente toutes les expériences à venir. C'est à notre tour de bien entretenir le terreau grâce à notre force, notre courage et notre dévouement au travail. N'oublions surtout pas de continuellement enrichir notre terreau avec les formations continues et les recherches qui nous aideront à innover et à suivre l'évolution des techniques et des approches de notre métier, de nos métiers respectifs. Je suis certaine que vous serez d'accord avec moi.
Si nous avons réussi, c'est que nous avons reçu beaucoup d'appui. Au nom de tous les diplômés, je tiens donc à remercier les professeurs, bien sûr, mais aussi le personnel du Collège Boréal. Toujours à notre écoute, vous nous avez offert la chance d'étudier dans un milieu francophone et chaleureux, un milieu qui nous ressemble, un milieu dans lequel nous nous sentons bien et en confiance pour étudier, surtout lorsque nous étions submergés par des devoirs. Il y a eu tant de gestes et de paroles, mais je ne citerai que ceci. Je me souviens encore de Madame Linda. Qui nous disait, les filles, vous êtes les meilleures. Ces paroles nous redonnaient de l'entrain. Ou encore les séances de relaxation de Clémence. La grande disponibilité de Madame Jessica, qui n'avait parfois qu'une seule minute pour boire un verre d'eau pendant sa pause. La patience de Madame Lusamba. Et comment oublier Maman Cécile ou Rosalie, de véritables battantes que le collège a su accompagner et qui nous partageaient leurs expériences édifiantes. Comment les oublier? Impossible. Nous devons également remercier toutes les autres personnes qui nous ont appuyés durant notre cheminement scolaire. Je remercie donc nos parents et les membres de nos familles ainsi que nos amis d'avoir été là pour nous soutenir, nous donner de bons conseils et nous permettre de nous défouler quand nous en avions trop lourd à porter. Et merci à ceux et celles qui ont aidé à défrayer les coûts pour nos études, y compris toutes les personnes qui ont donné de l'argent à la Fondation, permettant ainsi la création de plusieurs bourses. Enfin, je peux dire que, comme vous, tous et toutes ici, que je suis fière de maintenant faire partie de la grande famille des anciennes et des anciens du Collège Boréal. À ce titre, nous avons dorénavant la responsabilité d'agir comme de véritables ambassadeurs du Collège Boréal. Alors, mes amis, soyons fiers de notre diplôme et surtout, soyons fiers d'être des vipères pour la vie. Encore une fois, je vous offre toutes mes félicitations et je vous souhaite le meilleur des succès dans tous vos projets. Bravo à tous et à tous. Mais quel discours! Wow! Dans quelques minutes, le cortège va quitter la salle. On demande aux professeurs de suivre le cortège et ensuite à vous, chers diplômés, de suivre vos professeurs. Je rappelle qu'après la sortie, vous allez revenir ici pour prendre une photo de groupe. Et ben, les parents et les amis, vous pouvez également rester ici si vous le souhaitez pour prendre quelques photos aussi. N'oubliez surtout pas de remettre votre toge. La suite, s'il vous plaît. Vous pourrez retrouver toutes les photos que vous avez prises aujourd'hui, les photos officielles, sur le site Internet du Collège Boréal, dans quelques jours évidemment. De plus, un léger goûter sera servi immédiatement après la cérémonie au Salon du Lac, là où on va pouvoir admirer les belles plantes tropicales de M. Gilles Marchildon. Alors voilà pour les directives de la fin. Maintenant, avant qu'on se quitte, je tiens à remercier tout le personnel qui a contribué à votre succès, chers diplômés. Enfin, je vous invite aussi à donner une bonne main d'applaudissements à tous ceux et celles qui ont fait en sorte qu'on puisse célébrer ensemble aujourd'hui votre succès. Alors, chers diplômés,
Félicitations encore une fois. Je vous rappelle d'attendre que le cortège quitte la salle. Please wait for the procession to leave before you exit the room. Thank you. Merci beaucoup.